Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play. Donc j'espère que vous allez bien et que le dernier épisode vous a plu. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc, une chose, c'est-à-dire que en fait la dernière fois je devais appeler l'ascenseur, mais en fait j'y étais déjà à l'ascenseur, que j'avais refait tout le passage, que j'étais ici. Du coup, j'ai dû refaire tout ça pour revenir là. En fait, j'y étais déjà la dernière fois. Donc allez, c'est parti. Donc, on va voir ce qui va se passer dans cet épisode. En fait, c'était juste là, quoi. Tout simplement. J'aimerais juste voir un truc d'abord, avant de leur parler. Savoir si je peux mettre ce que j'avais récupéré là. Elle pousse vraiment bien. Nouvelle graine plantée, d'accord. Bon allez, on va leur parler. Et après c'est parti. Hey, Siri. Cal, contente de te revoir sain et sauf. Mariko-san nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Marie et Choisic réussiront. C'est bien de rester positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Eh, moi aussi je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. Tu as bien fait, Cal. On n'a peut-être pas trouvé Tarful. Mais tu as sauvé des vies. Surtout ne l'oublie pas. Merci. Je suis occupé. Je dois décider quoi cuisiner. Eh ben allez. On se voit plus tard. Alors si on se voit plus tard, on va directement là. Enfin un peu de bon sens. Fichons le camp d'ici. Eh ben allez, voilà. Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais. Dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match à enjeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Ah, c'est naze! Je les verrai venir même à 3 par sec. Tes paris, tous deux, nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. On est arrivé. Attache-toi. Ce qu'il faut faire, donc il faut aller ici. Ok. Allez, go. C'est un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravi que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. Pourtant, je n'y ai pas toujours cru. Je ne t'en veux pas. Tu es resté seul longtemps sur Braca, à attendre des nouvelles du Haut Conseil Jedi. Mais à la place, tu nous as eu, nous. Et vous m'avez eu. On forme une équipe. Oui, en effet. Allez, go.
pense qu'il faut passer par là, non? Ouais, je sais pas, en fait. C'est quoi ça? Allez, go. Toujours pas de Stormtrooper en vue. Ils ont dû partir à la recherche du robot. Tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. Est-ce que c'est par là? Ça va me faire descendre ici. Donc non, c'est pas là. Je sais pas du tout là en fait. Parce que ça c'est pas là en fait. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Alors du coup, je pense qu'il faut passer par là, non, je sais pas. Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais, il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho? Peut-être. D'accord. Et maintenant que j'ai la capacité, ouais, peut-être. Ça nous mène où tout ça? Je ne m'attendais pas à ça. C'est une statue Zepho géante, donc je pensais trouver des objets Zepho. Il est parti où le petit? BD. Un interconnecteur? T'as raison, oui. Il devrait pouvoir remplacer le tien. On va te réparer, mon pote.
D'accord. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Au travail. Hey, vous là, allez ici. Je t'ai trouvé, intrus. Ok. C'était juste pour nous amener là, d'accord. Je te tiens. Tu sais te défendre. Tu m'auras pas. Que je descende là. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment ? Est-ce qu'il faut aller par là? Je sais pas du tout. Peut-être que là il y a un ascenseur après. Du coup, est-ce qu'il faut pas aller là-bas? Non, je peux pas sauter là. Et je pense que c'est là, non? Je sais pas du tout en fait. C'est tellement vaste, tellement grand. Une petite sauvegarde ici.
Dédé, il faut qu'on arrive à passer. Du coup, c'est ouvrir un passage. Il y a comme une vieille odeur d'huile. Mais non, BD, pas toi. C'est cette eau. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça? T'as vu? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. Oula. Il a joué à enterriger un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité. Par là-bas, donc je sais pas. Ce qu'il y a dessous. On peut pas plonger. Occupé ? Eh ben, j'ai essayé de regarder. Enfin non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment ? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... A plus. Là, lui, il va me suivre. Celui qui tire. Non. Oh non. J'aurais pas dû approcher. Droïde sonde. Tellement de choses à faire ici en fait. Allez, tire. Ah mais d'accord, en fait il me suit, non? Où est-ce qu'il est? C'est un sabre.
tué le commandant. Là, faut le faire avancer peut-être. Non. Où est-ce qu'on est ? Je crois qu'on se rapproche. Ouais, ouais. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Site de fouille impériale. Bon, ah, il y a un truc. Allons-y, BD. Faire quoi ça? Allez, go. Merci du coup de main. Oula, deux robots. À nous deux. Une tyrolienne, ça te tente ? Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne ? Dans les deux sens, ok. D'accord. Non, non, non. On va remonter là.
Vas-y, tire. Maintenant. C'est de l'autre côté. Oh, attention. Allez, vas-y, tire. Oula, il y en a un qui va se réveiller là. C'est quoi ça? Le gardien. Non, il se réveille pas. Ok. Bon, bah allez go. Je me sens pas bien, Benny. Ouais. Je pense que ça va être par là. Mon endroit là, faut descendre, donc c'est là. Surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Incroyable. Je
Je ne dis rien. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Là, ouais. Ouais, merci BD. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi, t'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Bon, d'accord. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau.
ben allez, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao.